les choux, c'est Jodine Rim, j'espère que vous allez bien. Me voici avec le deuxième épisode de la série Le rêve de votre monde. Donc, j'en profitais en fait en même temps de ce deuxième épisode pour faire une petite annonce. Je compte en fait, donc je l'ai déjà dit hier sur YouTube par écrit et également sur la page Facebook par écrit. Donc je compte faire moins de let's play Animal Crossing normaux au profit de ceux-ci, je vais dire. Tout simplement bah, parce que je pense avoir fait plus ou moins le tour de ce que je pouvais dire par rapport à ma ville. Maintenant, j'en ferai moins, ça veut pas dire que j'en ferai plus. Donc voilà, je tenais quand même à vous prévenir de ce petit changement. Donc, au niveau de vos Konami, j'en ai reçu tout plein, tout plein. Je suis super contente, j'ai plein de villes à vous montrer. Mais donc, comme d'hab, ça sera... Enfin, comme d'hab, comme c'est d'habitude que je m'installe dans l'émission, donc ça sera une ville par émission, bien sûr. Je privilégie quand même certaines personnes par rapport à d'autres. Je ne suis pas simplement à la liste comme dans Let's Play de la nouvelle maison du style, tout simplement parce que parfois y a des gens que je trouve un petit peu impolis sur YouTube qui mettent juste leur code comme ça, sans un bonjour, sans rien du tout. Donc voilà, je privilégierai plus les gens qui se montrent un petit peu sympathiques envers moi, parce que bon bah moi je vous dis bonjour, je vous salue dans les let's play, donc j'estime que j'ai droit à avoir la même chose. Donc voilà, c'est peut-être con, mais bon voilà, pour moi c'est la politesse, c'est une règle de politesse, c'est quand même assez important. Donc j'ai choisi dans quelle ville j'allais aller, parce que j'ai bien sûr la liste de tous vos tous vos codes oniriques. Montre-moi un rêve. Donc là, j'espère que vous êtes tous prêts avec votre DS pour aller voir cette ville. Je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble, bien sûr, parce que là, bah, voilà, j'ai vos codes, mais je ne prépare pas l'émission avant. Je ne vais pas me dire que je vais aller voir pour savoir plus ou moins ce que je vais dire. Non, non, du tout. Là, le but de cette émission, c'est vraiment pour moi de découvrir et de vous faire découvrir la ville. J'ai un code onirique. Pourrais-tu me le communiquer? Ops. Donc, le code de cette personne est 69 00 34 03 33 51. Donc je regarde. Oui, ops, on y va. Si la personne m'a donné, bon, sachant que j'ai fait un copier-coller de ce qu'on m'a donné, oui, ça doit être bon. C'est pas trompé en me donnant. Donc ceci, c'est un code qui m'a été donné sur YouTube par une certaine Nana Marco. Donc voilà, Nana Marco, je vais visiter ta ville. Voir un petit peu comment c'est. Ah là, on voit que Runar est passé il n'y a pas longtemps. À Martinal. Martinal. C'est mignon ton... Le pattern, ça me rappelle celui qu'il y a dans la ville de Canaries. Canaries Village. Tu as peut-être été visiter cette ville-là? Une petite étoile. Donc je regarde, vous montrer un petit peu la carte. Donc il y a deux maisons. Petit lampadaire. Oups. Toute une haie de mangue. Tu aimes bien les mangues, il me semble, hein? Oh, il n'y a que ça. Irina, venez voir notre spa. Ah, tu as un spa? Ah, super.
des deux maisons. On peut visiter ça. Oh, que c'est mignon! C'est une maison d'enfants. Oh, que c'est chou! Comment tu t'appelles, toi? Antonio. Chez Lobo. Je crois que c'est un loup, Lobo. Comme ça tape chez lui, là, à la porte. Hommage à Sunny Bob. Bon là je joue n'importe comment, hein. Je cherche pas à être en rythme. Moi j'ai pas du tout. C'est de voir où je vais aussi accessoirement. Dorian. Je regarde parce que je connais pas du tout cet habitant. Excellent. Oh, j'aime bien cette petite partie-là avec les fleurs. Par rapport au pattern et tout que tu as mis. Chez Isabelle. Ah oui, je crois que ça. Oui, c'est un écureuil. Une petite allée. Qu'est-ce qu'il y a là? Là, c'est un... Bon, j'ai envie de faire des photos, moi, pour vous. C'est pas bien, ça. Ça me... Marito. Garden? Oh, que c'est chou! Peut-être plutôt m'asseoir autrement. Peut-être m'asseoir là pour qu'on voit le petit panneau. Ouh là là, faudra faire tes bambous! Deuxième personne. Nana. Passez une agréable visite. Oh, c'est mignon. Ah oui, tiens. Pas oublié. Pour le blog. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on peut pas aller par là? Eh ben moi, je vais quand même par là. Oula. C'est vide. Que de fruits dans ta ville, que de fruits. Par contre, j'aimerais quand même bien voir la deuxième maison. Oh, tu as cette personne! Sonia. Poule. Wow, pile devant ta mairie. Petite photo du drapeau.
Tourne-toi, j'aimerais bien faire une photo avec toi, petite demoiselle. Comme elle me pousse! Comme elle me pousse! Tu veux pas faire une photo avec moi? Non? Bon, bah, on va toujours aller visiter la maison. Elle doit aussi t'as ta porte, elle tape. Wow! C'est vide. Oh, que c'est chou comme ça avec le... Oh, que c'est mignon comme petite table. Par contre, si j'étais toi, je jouerais plus avec le pattern que tu as mis, oui. Plus avec ce pattern-là. Dans le village, pour faire des contrastes avec les fleurs et tout, ça pourrait vraiment être sympa. Allez, hop! Allez, de face, allez, de face, allez, de face! Voilà! Moi, je visite un petit peu tout, hein, les gars. Hop, voilà. C'est chez qui là? Marito. Oh, Morsicus. Qu'est-ce qu'il y a de beau comme motif? Montre-moi tes motifs, ouais. Bon bah, je choisis un emplacement comme ça. Mais j'ai pas dit que je vais le prendre. Je regarde, juste pour regarder. Waouh! T'as beaucoup le même. D'accord. Eh bien, je crois avoir. Je regarde un petit peu si j'ai rien loupé dans sa ville. Je refais un dernier petit tour. Ah, ça, oui, je voulais faire une photo de ça, de toutes les mangues. Eh bien les petits gars, je crois avoir fait le tour de la petite ville qu'est Martinal de Nana. Donc voilà, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. Encore une petite ville assez simple. Donc ben voilà, bisous bisous, à bientôt.